Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7e épisode consacré au challenge de l'événement Happy Halloween sur Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator et qui prendra fin le 17 novembre 2024. Je vais vous proposer en image ma partie personnelle du challenge en solo ou en convoi sur ETS2 uniquement. Je vais jouer sur les cartes originales et je vais essayer d'adopter une conduite au plus proche de la réalité en respectant les règles de circulation et celles de l'éco-conduite. Le comportement sera le plus souple possible en l'anticipant au maximum, en tenant compte des voies de circulation, de l'affluence qu'il y a dessus et des potentiels obstacles que je pourrais y rencontrer. Pour la livraison, comme dans la réalité, je prendrai le temps nécessaire pour effectuer mes manœuvres en toute sécurité, en tenant compte du site, de son encombrement et de la circulation présente. J'ajouterai enfin d'autres actions qui renforceront le réalisme. Les missions sont obligatoirement externes et il en faudra 13 en tout pour réussir le challenge. Allez, je vous emmène découvrir la route entre Nantes et Le Mans, 250 km à bord de mon DAF Euro 6. Je suis accompagné aujourd'hui par Doc03 au volant d'un très beau Scania R ancienne génération et par Jérôme03 avec un superbe MAN TGX modèle 2022. Voilà pour le résumé de ce 7e épisode. J'espère que ce concept en mode RP Vanilla vous plaira, y compris si vous n'êtes pas un public acquis à cette façon de jouer. Je vous remercie d'avance de votre participation. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées et vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un très bon visionnage et une très belle découverte. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Bonne route à toutes les conductrices et les conducteurs virtuels et bon jeu aux autres joueurs. C'était Olivier. Bye bye. Ah ouais, il est joli celui-là. Plus tenté le MAN et même le bruit de l'intérieur, il fait un joli bruit. Hein. Son moteur, il est magnifique. Alors figure-toi que j'en ai un dans un de mes garages. J'ai que deux garages sur cette map. Je l'ai acheté, je l'ai transformé un peu comme tu as fait avec le tien. Par contre, c'est les mêmes couleurs que j'ai sur le mien. Je l'ai même pas essayé. Bah moi, toi, je l'ai essayé. J'ai jamais roulé en MAN ou avec les anciens MAN. Et celui-là est sympa. J'ai pris avec les rétro caméras. Donc on verra bien ce que ça va donner. Oh, ça devrait le faire avec les rétro-caméras. Pense, ouais. Vous me suivez? On va chercher la remorque. Le 640. Classe le petit man quand même. Hein. Bah ouais.
short. Ah non, c'est bon. Les petits essais de traction. Hop. Frein de parc. Allez. Les essais de frein. Ok. Attelé pour moi. Pour moi aussi. Moi aussi. Tu veux passer devant, Fred, vu que tu vas vieillir bientôt? Ah d'accord, mais non, je croyais que c'était ce... Ah ben oui, tu m'as dit le 3, je suis bête, mais bien sûr, bien sûr. Ah ben alors écoute, un très joyeux anniversaire. Merci, merci. Ça te fait 25 ans, c'est ça? Environ, presque. 25 ans avec 20 ans d'expérience? 46, c'est pas mal. C'est l'âge de la maturité, c'est bien. Voilà. Je veux pas te faire peur, mais il y a un fantôme qui tient une citrouille à l'arrière de ta remorque. Oh purée, je vais faire gaffe. Je veux pas te faire peur aussi, Olivier, mais t'as la même derrière. Hein. Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Alors, je vais serrer les fesses. Si on a faim, on la mangera. On la mangera en soupe hein, parce que moi le potiron, j'aime pas trop ça. Moi j'adore en soupe, je pourrais en manger à tous les repas. Ça se voit qu'on est revenu sur Eurotruck et qu'on est en France, hein, parce que les ronds-points, ils les aiment. Ouais, c'est normal, c'est pour moi qu'ils les ont fait les ronds-points, parce que j'arrête pas de me perdre. Je me disais aussi... Faut laisser une chance à se rattraper quand on se trompe, voilà. Ça va qu'on est nos propres patrons, mais si t'étais embauché dans une entreprise, va dire ça à ton patron. Bah, j'ai fait le tour des ronds-points parce que je me suis perdu plusieurs fois. C'est pas faux.
il arrive vite, lui, derrière, là, avec son Iveco, là. Pas de faire peur, Olivier, mais ta citrouille a failli être écrasée, hein, par la citerne. J'ai vu ça, figure-toi que bah, j'ai pas appuyé sur le bouton pour que vous entendiez, mais je me le suis dit en commentaire. Je l'ai dit, l'autre, il arrive vite avec son Iveco. Mais très vite, hein, il vient de se rabattre derrière toi parce qu'il voulait doubler. Ouais, je vois ça qui zigzague, mais de toute façon, à moins qu'il soit débridé, ce que je doute, moi je suis déjà à 90, alors il va pas pouvoir aller plus vite que moi. Hein. Quoique, des fois dans le jeu. C'est pas faux. Bon, on arrive à un péage. Alors je veux pas te faire peur Jérôme, mais je crois que mon fantôme il est passé au cul de ta remorque. Oh mince alors. Tu as accroché une Citroën C4, Jérôme. C'est ce que je me suis aperçu parce que l'autre devant moi, il a freiné. Je sais pas pourquoi, il a pilé au milieu de la route et j'étais obligé de faire un écart assez vite. Donc c'est toi qui payes le café à la station-service? Oui, mais enfin bon, j'étais responsable pour le coup. Vous vous rendez compte, on est sur l'autoroute et je suis même pas 70. Dans les tours, hein. Je pense qu'on doit être lourd. C'est même pas ça, c'est que les voitures devant, elles roulent pas quoi. Je suis à 80 derrière la citerne là.
Et ça ralentit, tu sais même pas pourquoi ça ralentit là. Pas possible. Il est vraiment sympa le man. Double, j'ai le d'obstacle qui s'allume dans le rétro caméra. Ah ça c'est bien ça. C'est pas comme le Cascadia d'hier, là j'avais chaque fois que j'avais sur les angles morts un véhicule. Par contre il fallait que j'ai le clignotant allumé, j'avais une espèce de bip qui te casse les oreilles, c'était assez stressant. À force. Il roule jamais à la même vitesse, donc moi je reste constant. Oui, il fait hein, la prudence avant tout. Hein. Oh ouais, t'inquiète, hein, t'as bien raison. Hein. Un coup il accélère, un coup il freine. Ah ben moi j'ai le cas typique du dépassement poids lourd. Voilà, en plus voilà, ça s'arrête en plein milieu. T'as toujours les bons coups toi. Oh incroyable, je suis à 30 avec les warnings là. Non, non, allez-y, tracez, hein, c'est pas grave, j'arrive. Ouais, je disais, ça fait exactement comme dans la réalité, t'as toujours le mec qui est déjà pied au plancher à 90, et t'as l'autre qui, parce qu'il a une meilleure marque ou qui croit avoir un véhicule meilleur, qui va le dépasser et qui est aussi bridé à 90, donc tu te retrouves avec toi en queue de file derrière des camions et des voitures, et à ta gauche, tu as des camions et des voitures qui sont aussi à la même vitesse que toi et ça avance pas. Et puis à un moment donné, il y en a un qui ralentit et tout le monde ralentit. Ah ben ça, oui, des fois on y voit souvent. Hein. Tu l'as en visuel, non? Je vous ai en visuel sur la carte, mais va falloir tourner à droite là si je me trompe pas. Ça, ouais, on est dans la bretelle. On arrive au péage. À la sortie du péage, on va l'attendre. Mettre tes phares frangins avant de...
Je suis au fait. Je suis au péage, hein, vous avez entendu, j'ai appuyé sur le klaxon au lieu de vous parler. T'as écouté. Eh oui, j'avais mis mes phares, ça y est, avant de prendre une amende. Ouh là là, Jérôme, la 407 qui a coupé à l'intérieur du rond-point. Faire boum. Tu l'as pas vu? Oh non, j'ai eu aucun dégât. Tu regarderas la vidéo. Le mec, il était. Bah, t'étais déjà engagé, hein. Le mec, il était. Enfin, le mec ou la nana, je sais pas. T'es arrivé dans le rond-point et toi, t'es passé. Après, une fois que t'es passé, il avait les warnings. Donc, je suppose que lui a dû taper. Ouais, mais moi j'ai eu aucun dégât, même tout à l'heure là sur l'autoroute là, j'ai eu aucun. Bon, bah, tant mieux, hein. Vous êtes bloqué, non? Et derrière toi. Pas du tout, on vit la reproduction de la carte du Mans comme si on était réellement au Mans. Exactement, ouais. D'accord. Le bus, dès le passage, il l'a fait comme il faut. Enfin, je me garde tout au fond. Vous avez de l'orage. Pas du tout, un ciel super bleu avec les étoiles, un ciel d'été quoi. Bon, l'Audi, tu fais quoi? Ouais, tu veux pas passer? Tu passes pas. Que moi alors qu'il y a de l'orage.
Tout au fond aussi. Allez, c'est bien. A priori, oui, hein, j'ai toujours un ciel étoilé. Il n'y a plus grand monde dans les bureaux à cette heure-ci. Je me gare où tu es, Fred. Non, ça devrait faire, bouge pas. Ouais, je te vois. Ouais, celle de modèle 2022 que tu as.